Il y a beaucoup d'options qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur nos voitures, surtout sur la mienne. Et ouais, c'est sûr que c'est super agréable à conduire, ouais. Ça change, en plus, bon, on est en semaine de trêve, donc il n'y a pas de match, donc c'est sûr que ça fait du bien de se voir aussi en dehors du foot et de découvrir de nouvelles choses tous ensemble. On va tester plusieurs voitures dans la journée et puis ça nous permettra de voir les différents modèles de la marque et de s'y imprégner. C'est pas mal, c'est la première fois que je le fais, donc en plus là tout à l'heure j'étais passager, là en tant que conducteur on verra, hein. Et c'est une chance, hein, pour nous de pouvoir essayer ça. On a de la chance et on va profiter. On est très heureux de pouvoir chaque année passer un moment, j'allais dire privilégié, avec les joueurs, où ils ont la possibilité d'essayer toute la gamme Land Rover dans des conditions, j'allais dire, cette fois-ci réelles et pas routières. Donc voilà, on espère que c'est un très bon moment partagé par toute l'équipe, en tout cas du côté de l'équipe Premium Amplitude. On est ravis de pouvoir passer ce moment tous ensemble. Ça fait partie de notre implication sur le territoire, et puis j'allais dire, il y a cette proximité avec l'équipe dirigeante de l'ESTAC qui est importante pour nous aussi. On est un acteur du territoire, on se doit d'être partenaire d'un moteur du territoire qui est l'ESTAC. Donc oui, bien évidemment, on est très fiers de ce partenariat et on souhaite le continuer le plus longtemps possible. Le premier exercice, ça va être ici, c'est ce qu'on appelle un jungle trek. Le but du jeu, ça va être de passer entre les piquets sans les toucher. Quand on passera sur le deuxième exercice, donc le blind test, ce qu'on appelle le blind test, c'est une conduite à l'aveugle. Donc le conducteur, il aura les yeux bandés. Les yeux bandés, c'était très intéressant. C'était un peu moins compliqué que la saison dernière, vu que la saison dernière, on découvrait. Là, j'étais un peu plus à l'aise et le copilote, il a fait le boulot. Hein. Non, il a géré le truc. Après, c'est pas facile de guider un collègue qui a les yeux bandés. Faut bien un peu contrôler le terrain, droite, gauche, et faut les guider, quoi. Vas-y, avance, t'inquiète, vas-y, roule, avance. À gauche, braque, à gauche, braque, vas-y. On a testé différents modèles, différents circuits et différents terrains, donc ça montre que les véhicules sont bien et c'est toujours intéressant d'apprendre ça sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Toujours bien de passer une journée comme ça avec les collègues en plus, donc on voit qu'il y a une bonne ambiance et c'est toujours bien de conduire des belles voitures et d'aller dans la boue. On voit que c'est pas si facile que ça, on pense que c'est facile les petits parcours, mais c'est compliqué. Ça change du quotidien, c'est des choses qu'on fait jamais, donc oui, c'est intéressant. Ouais, on voit que c'est des voitures où on peut aller presque partout. On a vu ce matin sur le tout-terrain où on pouvait monter des pentes assez raides, donc c'est vraiment des belles bagnoles et de très bonne qualité. J'avais pas fait trop de journées comme ça, notamment avec le groupe depuis le début d'année. Depuis le stage, on n'a pas eu le temps de plus ou moins tous se retrouver comme ça sur une belle journée avec les voitures Land Rover, avec un sponsor qui nous tient à cœur. Et on a été très très bien reçus, t'es très bien accueillis, t'es très bien accompagné aussi. Et vivre ça aussi avec les joueurs et avoir encore une cohésion de groupe plus importante, c'est toujours intéressant, notamment dans la trêve internationale où on avait fait quand même 4 entraînements en 2 jours. Là, ça permet un petit peu de souffler et puis de repartir sur de bonnes bases dans quelques jours.